par l'entrée arrière, se trouvant dans la ruelle. La ruelle est accessible par la rue Cluny-Est. Présence de panneaux d'alarme au rez-de-chaussée dans le hall. Appel de la catégorie 4 sur le commandement 3. Mais quel poste qui sortit ce qu'elle a parlé?
Laurent Gingras, je suis le sergent des relations médias du SPVM. Gingras, G-I-N-G-R-A-S. Alors, le SPVM a déclenché une alerte en amber pour retrouver un jeune garçon de 10 ans, Ariel Jeffrey Kouakou. Ce jeune homme-là est disparu depuis lundi en après-midi du secteur de Valmont et de Vielle. C'est près de sa résidence dans le secteur d'Antique-Cartierville. Donc, les policiers sont sans nouvelles de lui depuis ce temps. La famille s'est inquiétée et a rapporté la disparition aux policiers. On a déclenché donc une alerte amber. À ce moment-ci, les policiers font une recherche à partir de l'endroit où il était vu la dernière fois et on agrandit tranquillement, pas vite, le périmètre pour s'assurer qu'on puisse ratisser les environs. On demande aux gens, les résidents du secteur d'Antique-Cartierville, de bien vouloir vérifier leur cour arrière, le devant de leur maison aussi, de parler à leurs voisins de cette disparition pour qu'on puisse le retrouver le plus rapidement possible. Le portrait, la photo du jeune garçon est disponible sur le site Internet du SPVM, également sur différents sites des réseaux sociaux, entre autres sur le réseau Twitter du SPVM. We've issued an Amber Alert for Jeffrey Ariel Kouakou, who is 10 years old. He's 4'9", weighs around 90 pounds. He's black, speaks French, was last seen on Monday at around noon. His family asked the Montreal Police for assistance since it's been a long time since he's been seen. It's been now more than 24 hours that he was last seen, so we're surveying the area where he was last seen, which is his residence at the corner of Valmont and Vielle. From there, we've expanded our search. We're now looking close to the river, and officers are doing door-to-door in the area. So anyone having information on his whereabouts, we kindly ask them tonight to call 911 or the Info Kin line at 514-392-1133, or they could come to the corner of Gouin and Bois de Boulogne, where is the command unit center at this time to meet the investigators. And investigators, what kind of efforts are you guys doing right now? Well, obviously we're talking to the family, friends, putting ourselves in the position of a 10-year-old. Where would I go if I've been gone missing for a while? Where any places I would be at? So we're trying to trace back his steps since he was last seen. How many calls are coming in still at this time at 911? That's very good. We are asking for the public's help and the public is answering. Some people have even come to pass by and ask if they could help in the search. The way that we put out